Ah, t'es là. Bon, on va pas perdre plein de temps. Le nom de la vidéo, c'est la bonne résolution. Donc, la bonne résolution, je vais vous la donner directement. Parce que quand on y réfléchit bien à cette bonne résolution, on s'aperçoit qu'elle a des implications qui vont bien au-delà. Tu la fermes ta gueule et tu nous la donnes, ta bonne résolution. Eh, oh, eh, poli, hein, fier. Parce que moi, je sais où t'habites, hein. Espèce de connard. La bonne résolution, pour 2014, c'est très simple, c'est... Sur toute l'année, n'acheter que 10 jeux, toutes plateformes confondues. Non mais vas-y, prends ton temps, hein. Il faut que ça... Je vais même te dire, si tu veux, tu peux me la piquer. Eh mais alors, pourquoi n'acheter que 10 jeux Reste assis, je t'explique. Vous êtes d'état, comme moi, à acheter comme des veaux, les jeux AAA, chaque fois qu'il y en a un qui sort. Et je te fiche mon billet que, en plus, quand tu vas faire le shopping le samedi, avec maman pour les plus jeunes, bah tu te dis des fois, tiens, il est pas cher, il est en solde, je fais tomber le jeu là. T'as le vieux jeu, tout de suite il a 2 mois, il est vieux. Eh bah alors, après le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des jeux qu'on n'a pas finis, mais une pile comac. J'en ai pas fini un seul. Avec plein de jeux dont on ne profite même pas. Oui, mais où est l'avantage? En se disant qu'on ne prendra que 10 jeux par an, hein, toute plateforme confondue. Primo, on est obligé de mûrir ses choix, hein, ses achats. Ses achats. Tu dois penser, tu dois réfléchir, tu dois peser le pour et le contre. Fini de craquer, oh putain, Dishonored à 10€ en carouf, au champ, je sais pas quoi, en sol. Fini ça. Fini. Il faut se mettre à acheter adulte, mon gueux. Ouais, ouais, non, même toi, le tout petit là-bas, là, dans le fond, là. Ouais. Deux yeux, on prend plus le temps de savourer, hein, le jeu. Ah oui, parce qu'on prend plus le temps de le sélectionner. On prend plus le temps de tirer dessus. On prend plus le temps de le lécher, de le poncer. Profiter de toucher le cul à ton jeu. Tertio, on va à l'encontre de cette société de consommation de merde et de gratification instantanée. Si, il faut tout de suite, là. Ah ouais, putain, il me le faut. Dépêche-toi vite, il me le faut. Oh, trop tard. Amène un Kleenex. Mais oui, mais bon, mais vous ne prenez plus le temps pour rien non plus. Merde, les mecs. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vu une bande de tantous pareil. C'est tout. T'es regardé quand tu joues? Tu veux la vérité? Tu me donnes envie de dégobiller. Quoi trop? Je sais même pas si on dit quoi trop. En refusant d'acheter comme ça sans réfléchir, peut-être qu'on va pousser, tu vois, l'industrie du jeu vidéo à repenser, tu vois, à se plonger. Quel produit veut-on offrir aux consommateurs? Quel produit peut être durable? Comment en donner pour son argent dans ce produit? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce produit? Note que pour ça, moi j'ai une idée, hein. Tu mets des femmes à poil, partout. Ou des hommes. C'est selon. Quinto, on tue dans l'œuf des processus marketing qui eux-mêmes ne visent qu'à tuer des petits vendeurs en arrosant et en inondant le marché avec des bouses qui sont à peine des mises à jour. Tuer aussi des petits éditeurs, tu vois, des petites boîtes qui font des jeux. En arrosant et on en a blablabla le marché avec des bouses qui sont même pas des mises à jour. Et peut-être même, pourquoi pas, de tuer les petits joueurs. En arrosant le marché, blablabla, tu l'amènes une troisième fois la première. Ouais, mais ça, toi, tu réfléchis pas, tu vois. Heureusement, Karma est là, hein, pour se creuser la tête. À ta place. Encore une fois, nous sommes tous désireux de faire passer le message de Karma TV. En effet, Karma TV se propose de changer le monde du jeu vidéo. Nous, les joueurs, nous avons le pouvoir de modifier et de transformer le monde du jeu vidéo, notre passion. Ce pouvoir, c'est celui d'acheter ou de ne pas acheter les jeux qui... Arrête. Tout le monde s'en fout. Vas-y, balance une fin à poil. Oh mais... Oh mais non mais... Oh mais... Mais je suis...